Putain, tu vas mourir, sale zombie. Prends soin, il est où, papa? Allez. Putain. Putain, il me faut des vies, là. Ouais, la nourriture. Ah, salut. Ah, putain, je peux pas t'aider, là. Je suis vraiment occupé. T'as sauvé la planète? Oh, c'est plus compliqué que ça, hein. Hé, hey, Narco, hey, tu ranges bien tout dans mon placard, hein. Tu vois, moi, ils boivent pas, hein. Non. Poire. Tu te gourdes toujours de fruits. Putain. La pomme, c'est pour elle, et la poire, c'est pour toi. Et toi, t'es mort. Qui c'est qui est mort? Non, là, c'est rien, un zombie. Oh. Hey, dis donc, t'es pas bête au chef ou au champ, toi? Non, faut plus de temps que ça pour mon grade. Tu pues combien de temps, déjà? 6 mois. Putain, c'est dingue, mec, je t'ai toujours cru là au champ, c'est fou. On se connaît plus à maternelle, quand même, hein. Même là, tu vois, toujours fait le mec de champ, tu vois. Comme quoi, j'ai choisi la bonne carrière. Il faut dire que tu parles vraiment bien de la jeune fouille aussi. Hein. Mais toi, t'es mort. Mais c'est un génocide. Oh, putain. T'as déjà fait une rangée? Oui. Alors, soit tu te fous de ma gueule, ou soit tu es Superman. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus que les gars de Manu? Non, mec. Emmanuel. Je m'appelle Emmanuel. Tu t'appelles par ton surnom, toi? Ouais, bon, ok. Mais toi, tu le mérites. Hein. Toi, t'es mort aussi. Il y a plein de surgelés en plus! Hein? Oh putain, voilà, merde, va falloir que je me surpose. Putain, chier. Hé, tu t'assois pas, s'il te plaît? Ah, pardon, on dirait l'habitude. Hé, tu touches pas ma partie. Oh putain. Faut des autres. Je peux pas rester longtemps, je copie ton jeu, je suis en pause. T'as donc une autre chien, alors on change ça? Non, c'est l'inventaire! Ça a l'air du papier à cigarette, tes murs, hein. Tu perds souvent, gamin? On m'en parle pas, échec tout le temps, c'est du cul, putain. Je m'entends même plus jouer. C'est petite qui? Bah, de la Bulgare, tout de suite. Ah, parce qu'il chale même pas en français, en plus. Et tu sais comment elle s'appelle? Boris, là, quoi. Il y a des pays qui sont vraiment pas doués pour les prénoms, hein. et en plus de ça, il y a une espèce de mâchoire, la voisine, énorme, là, comme ça, des trucs. Elle est un peu comme toi, en fait. Un prénom et une mâchoire d'homme. Tu trouves que j'ai une grosse mâchoire? Bah, le front surtout. Et tu vois, ta tête elle va pas du tout avec ton corps, tu vois. Souvent je tape les épaules. Ça va. Je veux dire en fait que le mot poire, il te va dans tous les sens du terme. Bon, je sais pas pourquoi, mais il faut que j'y aille. Tu finis pas d'anger? Oh non, c'est bon, ça me saoule, Gabriel Lefroy. Hein. Il est où? Avec le théâtre, pour voir sa comédienne. Il est vraiment en vue, hein. Ah non, mais moi je l'appelle Dracula. Bon, tu veux pas partir? Ah si. Et de rien pour les courses. Allez, hein. Salut. Il se rebelle, le petit gars. Non, mais c'est reparti pour avoir cette attaque. Allez, viens, on a mon zombie. Alors, c'est qui, papa? Il est où, papa? Allez. Putain. Oh putain, on va attaquer par derrière. On attaque par derrière? Je vais. Je suis là. Je déteste ces putains de zombies qui attaquent par derrière. Chut. Papa, il faisait ma partie. Ah, salut, ça. C'est moi. Et toi aussi, ta bonne mine. T'es tout seul? Bah oui. Alors cette pièce? Toujours aussi bien. C'est cette comédienne. Je vais encore laisser des fleurs avec amour. Elle va peut-être finir par comprendre. Ouais, que t'aimes la pièce? Mais non, que j'en pince pour elle. Oh putain! J'en pince pour elle. Et nous, là, on t'a téléporté de quel siècle pour que tu utilises des expressions comme ça? J'utilise peut-être des expressions un peu désuètes. Mais au moins, je ne chope pas la moitié de la vie avec des mensonges plus gros que moi. Plus gros que toi, là, c'est plus des mensonges, mon gars, hein. C'est les mystifications. D'ailleurs, j'ai croisé Nadia, la petite secrétaire blonde du théâtre, à qui tu fais croire que tu es le petit-fils de Neil Armstrong pour coucher avec elle. Et elle m'a demandé des nouvelles de ton voyage sur Mars. Ah putain, elle a dû comprendre avec le cycliste. J'aurais peut-être mieux fallu qu'elle comprenne avec le trompettiste. Ah, mais je suis pas noir. Ça n'est pas lui pour vous. Ok, écoute. J'aime les filles. Il n'y a pas de loi qui interdit ça, mon gars. Non. On devrait faire un partiel par les coucher à cause de toi. Alors là, tout dépend de qui fait passer l'examen. C'est pas plus chaud. Tu es irrécupérable. Alors laisse-moi aimer ma comédienne. Écoute, moi au moins, je plais. C'est tes bobards qui plaisent. Les femmes, ça aime voyager. Et toi, en 2-3 phrases, tu les embarques. T'es encore plus économique que Trivago. Ok, j'ai compris. J'avoue. Comment veux-tu que je sois jaloux d'un mythomane qui passe de cycliste martien au descendant direct de Géronimo? J'ai jamais fait voir ça. Mais putain, je deviens infâme complice de ces pièges à filles. Oh, toi, tu vas décidément trop au théâtre. T'as fait les cours? Ah oui, j'ai fait les cours, bien sûr. T'as pas pu les ranger. Non, Gabriel. Je fais les courses et toi tu ranges.
Il a des surgelés en plus. T'as des nouvelles de Martin? Ouais, il est passé tout à l'heure. Quoi faire? Bah, pour passer. C'est fou cette mamie qui a de s'endormir à chaque fois qu'il s'assoit. Ouais, alors, on appelle pas ça une mamie, tu vois, on appelle ça une maladie. Pour être. Oh, j'en peux plus de ce gamin. Tu peux me dire ce qu'il y a, ça arrive tout le temps? Il est heureux, ça rend même pas compte. Quel débat, c'est vrai. Je rentre. On est entre nous. Eh bah plus maintenant, on dirait. Comment ça va, mes petits voisins? Vous voulez le fond de ma pensée ou bien la réponse polie? Ta pensée n'a pas de fond. Une fois que j'ai jeté une pierre, ça n'a jamais fait de ouais, alors que vous... Ah, mon petit Fosse, vous êtes toujours aussi drôle. Je m'appelle Gabriel. Ah, depuis quand? Depuis toujours. Ça fait mal. Un bail. Autant que vous nous appelez Ginette, si on va par là. Comme si on va par là, on dirige vers un cul-de-sac. Gabriel, ma Fosse, vous me disiez bien qu'il y avait un petit rapport avec le diable. Gabriel, quand même, c'est pas l'ange déchu. Alors que l'autre, oui, il me l'a dit d'ailleurs. Ah, mais je suis carrément dégoûté. Qu'est-ce que je suis déchu. On est à la maison tôt ce soir, parce qu'hier, on est rentré à pas d'heure. 2h21 du matin, on s'en canaille, mon petit Manu. C'est pas la porte à côté, Mars. Alors, il y a Gabriel, lui. À 22h32, il était rentré au Mercaille. Bon, ma vie est toute réglée. Un petit théâtre, et oui. Et dis-leur, comment ça se passe dans le KGB pour voir au secours? J'ai jamais mis les pieds. Ouais, alors que l'œil. Et. Comment va le petit couple? Lequel? Bien le vôtre. Ils sont pas contents, on est ensemble. C'est ça, moi je suis Laetitia Casta. Oh putain, bah vous êtes prince à des coups de pelle alors. Non, ça vous va bien le rimel? J'en ai pas. Ah bah ça va être pour ça alors. Sinon, plus nous voulons l'honneur de votre visite. C'était pour vous dire de ne pas trop vous inquiéter si vous voyez la police. Parce que Robert et moi, vous savez Robert, là, le vieillard de l'appartement 13, bref, on a dénoncé la vulgaire de dessus. Parce qu'il se dirait qu'elle n'a pas de papier. Et puis vous savez, moi, le bougnon. Putain, mais vous êtes Vichy ou quoi? C'est pas possible. Oui, je suis de Vichy. Comment vous le savez? Vichy dans l'Allier. C'est comme ça, ça paraît pas évident. Allez, je vous laisse beaucoup les amoureux. Et protégez-vous. Putain, les renseignements généraux, j'ai perdu beaucoup en engageant par elle. Elle a quand même une drôle idée de la géographie, elle a placé la Bulgarie au Maghreb. Tu sais, on a l'air de l'Europe moderne. Hein. Tout ce qui est pas de ta région est arabe. Oh putain, je sais pas ce que j'ai. J'ai l'impression que j'ai plus que tout ce que je bouffe. Tu n'as pas dit que t'étais tout seul? Mais si, Emmanuel, tout à l'heure je t'ai dit que j'avais la Deuxième Guerre mondiale dans les intestins et qu'il fallait que j'y vaccine la Russie. Toi, tu m'as dit que tu t'entends un zombie. Oui, oui, va chier. Belle. Il n'y a plus de déo aussi trop aux toilettes. C'est dommage. Moi, quand tu joues au jeu, franchement, n'importe qui peut venir poser son cul à terre. Moi, je suis pas n'importe qui, je vous ferai que des cacahuètes. On peut arrêter de parler de ça, s'il vous plaît, hein, parce que là, c'est bon. Là, je sais pas si j'ai envie de savoir. Tu as raison, mais franchement, je sais pas ce que j'ai... C'est peut-être ce que j'ai mangé hier. À moins que ce soit le mec avec qui j'ai couché. C'était un Mexicain. Ils sont toujours un peu épicés, les Mexicains. On va raconter des détails de sa vie. C'est un petit bras moustachu. Il avait des cheveux, un cheveu sur la langue. Il était rigolo. Raconter les détails de sa nuit. Ouais. Et puis je peux vous dire que... Ça suffit, hein, Michel, hein. On sait déjà ce qui sort de toi, on n'a pas forcément envie de savoir qui. Et lui, quand il raconte ses épopées avec des femmes, c'est plus poétique. Tu viens de dire. Plus c'est des épopées, toi c'est des films d'horreur.
Et ta connerie, c'est pas de la science-fiction. Mais comment je fais pour être ami avec des homophobes pareils? Eh ben voilà, rien que parce qu'on veut pas écouter les histoires dégoûtantes de monsieur avec les village people. Bon, on est homophobes, voilà, hein, c'est ça. Ce ne sont pas des histoires dégoûtantes, ce sont pas les village people. Et puis merde, tiens. Ah ben voilà, les rodins. Michel, excuse-moi, faut pas que tu nous en vouloir, tu vois. Et en fait, c'est l'image de deux hommes en train de... C'est un peu comme avoir l'image de ses parents. Ah, putain, arrête. Mais c'est l'image, là, t'es trop con. Ça n'a rien à voir avec ça, en tout cas, c'est pas seulement ça. C'est l'attirance de deux personnes. L'amour entre deux êtres n'a pas de sexe. Oh, si je t'emmerde, tu le dis, Gabi. Ah là, je suis trop occupé à chasser l'image. Vous m'agacez, vous avez fait la course? Oui, étant donné que tu m'agisses quasiment tout le temps, peut-être que tu voulais relever. Ah, je suis désolé, mais il faut que je retourne aux toilettes. Combien tu coupes? Je sais pas, t'as pas fait la vaisselle. Ouais, bon, écoute, il va ouvrir, ça sonne. Je finirai jamais ma partie avec ces conneries. Bonsoir! Docteur Batcha! Sûrement, tu vois, moi c'est derrière! Vous, tenez, aidez-moi! Eh ben allez-y, on a tout ce qu'il vous faut, du sel, du poivre, servez-vous! Voilà, prenez mon bébé! Oh, ça fait cher pour un peu de sucre, hein! C'est surgoumant, putain! Elle est bizarre, hein! Prends! Et qu'est-ce que je passe avec ça? Mon chien! Et je comprends rien ce qu'elle dit là, et pourquoi elle double tous les mots comme ça? Je crois qu'elle essaie de dire quelque chose. Calmez-vous, asseyez-vous. Non. Je explose vous, je... Quoi? Vous explosez, mon dieu. Elle a dit, elle avait raison, putain, c'est une boule d'arbignoule. La police va arriver et me renvoyer chez moi. Putain, mais vous n'êtes pas la vôtre, c'est ça? Elle va nous expliquer, elle va nous exploser. On dit, je explique vous. Enfin, je expose vous, hein. Mais attention, les robots risquent d'avoir moins d'humour que moi. Prenez mon bébé, je veux lui être français. Mais qui est déjà bulgare. Et bon, en plus, nous, on veut pas de bébé, hein. Je connaître que vous, jambon. Eh, jambon, elle nous prend pour les cochons, hein. Il faut faire vite. Pas qu'à rien. Mais revenez. Qu'est-ce qu'on va faire, bébé? Oui, il me regarde. Il parle pas de France, il me regarde. Mais oui, bah, ça devait déjà dire qu'il a une bonne vue, hein. C'est avec ta tête. Putain, on dirait qu'il va pleurer. Meurs pas. Couchez. Mais c'est pas un clef, c'est pas un clef. Non, petit bébé bulgare, on ne pleure pas. Qu'est-ce que c'est vilain, non, ça fait la grimace. Vas-y, danse un peu, on dirait que ça il va mieux comme ça. Tu crois? Mais oui, vas-y, danse. Allez, regarde ton temps, Gabriel, tu te fais la danse dessus. Vas-y, continue de danser, ça te détend. Comment il s'appelle, comment? Je sais pas, il m'a pas dit. Continue de danser. Mais en fait, c'est ridicule. Ouais, pas pour lui. Il a bougé bizarrement. Ah, mais comment? Eh, vas-y. On l'appelle Bob. Pourquoi Bob? Parce que tout le monde répond à Bob. Quoi? Ah, vas-y, danse Bob. Ah, tu vois, ça marche. Ah ouais. Bon, attends, je danse. C'est Robert. Viens entre nous. Putain, c'est une manie de vieux, ça. Vous faites quoi, là? Mais on danse devant un couffin. C'est une nouvelle émission de télé, danse devant un couffin. Ils sont de plus en plus élaborés, toi, tes mensonges. Il a qui, ce bébé? On danse pour que le bébé il arrête de pleurer. Et puis, il a ma sœur. En fait, on lui garde pendant les vacances scolaires. Ah bon? Il va déjà à l'école? Ouais, il est très avancé, il parle déjà deux langues. Enfin, quand il sera parlé. C'est fatigant, on peut plus. Alors, putain, qu'est-ce que c'est fatigant, il y en a des gamins, hein. Moi, je veux plus les enseignants, c'est depuis, non? Comment il s'appelle? Bob, hein? Il s'appelle Bob. Bob, mais pourquoi Bob? Tout le monde répond à Bob, n'est-ce pas, mon père? Ouais, non. Non, en fait, non. Parce que ma sœur, elle tient une chapellerie. Alors, plutôt que de l'appeler Feutre, bah, elle s'est dit que Bob, c'était plus facile à rappeler. On peut passer la bandique sur la tête.
Quand c'est pas des mecs aussi directs que vous, gardez des mioches. Non, mais seulement cette fois-ci. Parce qu'il y en a d'autres. Mais dis ça au cas où. Et avec les gonzesses, ça va. Parce que c'est entre tard, hein. Surtout vous, Manu, hein. Hier, 2h du matin. Alors que vous, Gabriel, à 10h, hein, c'est fini, hein. Oh, ma vie, moi, vous savez, après minuit, je me transforme en citrouille, sinon. Vous êtes vraiment des petits cons, hein, on dirait, moi. Ouais, un déambulateur près, quand même. Vous avez du beurre? Et ma mère fait les courses. Ouais, du beurre. Oui, j'ai pas oublié d'en acheter. Vous entendez? Non, j'ai pas peur. Hein. On reprend les seins. Ouais. Hein. Bon, allez. À bientôt, hein. À bientôt. Hein. Allez, salut. Oh, j'ai vu la Bulgare là, qui sortait de chez vous. Il faut vous méfier d'elle. Hein. Les étrangers, c'est toujours en train de quémander quelque chose. Hein. Bon, mais. Il paraît que la voisine, Ginette, est en train de s'occuper d'elle. Elle l'aurait dénoncée à la police parce que ses papiers sont pas en règle. Voilà. Donc, elle ne va pas nous gâcher le paysage longtemps, celle-là. Allez, comme on dit maintenant, salut mes potos. On doit plus dire ça depuis au moins, je crois, 40 ans. Putain, pour dire que cet homme-là, avec ces idées-là, un jour marcher sans déambulateur, ça fait peur quand même. D'ailleurs, il y a mal fermé la porte. Ouais, mais il est pas fermé. Ah bon, ça va, c'est pas mal. Oh putain, vous voilà, Ginette. Hein? Oh putain. Faut planquer le gamin. Elle arrive même pas à décider là. Faut planquer le gamin là, non? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Parce qu'elle, elle va pas gober que c'est l'enfant de ma sœur qui est déjà bien sans savoir parler. Eh ben, on a qu'à trouver autre chose. Non, on planque le gamin, je te dis. C'est très bien. Tu vas pas respirer. Mais ouais, là tu vas le. Ouais. Oh merde. Bon, c'est bon. Faut pas l'appeler. Oula. Salut. Ça vous dérange un dérangement? Ouais, en plein dérangement serait le mot le plus juste. Hein. J'avais oublié de vous dire. Eh bien, on s'est fait mal. Bon, ça va, ça va. Finalement, ça va. Bon, qu'est-ce que vous avez oublié de me dire? Eh bien. J'avais oublié de vous dire. Oh. Mais c'est ce qu'on entend là. Oh. C'est moi, j'ai faim. Par non, mais en fait, j'ai une sonde dans l'estomac qui émet mes gargouilles sur une enceinte pour pas oublier que j'ai faim. Il essaie d'être drôle. C'est plutôt raté. C'est ça. Bon, écoutez, si vous avez oublié deux fois ce que vous aviez à nous dire, ben non, on va peut-être justement oublier les poules. Peut-être pas. Mais en vrai, si vous pouviez partir quand même, ça serait pas mal. Hein. Mais on dirait juste presque que je vous dérange. Non, mais que presque. Vous avez des choses à cacher? Je suis désolé, mais je pense que je vous ai bien pourri les chiens. Bonsoir. Et ben voilà, on voulait vous cacher que Michel avait la courante. Eh oui, ce n'est pas la courante. C'est juste un peu compliqué gastriquement. C'est quoi ce bordel sur le canapé? Bah ça a toujours été comme ça, c'est juste que tu voyais pas avant, c'est quoi? Bordel? Mais pourquoi vous avez mis ce plaid? Sur quoi vous avez mis ce plaid? C'est le bonheur, faut pas forcément y toucher? Pas forcément y toucher? Il touche. Oh Jésus! On l'appelle Bob. Enfin, vous savez, parfois il faut savoir ce qu'est fait les apparences, hein. Bon. Que fait ce bébé ici? Bon, on ne vous dira pas que c'est l'enfant de la sœur d'Emmanuel qui s'appelle Bob au lieu de feutre. Qui parle pas de langue sans savoir parler. Ça, on va pas vous le dire, hein. Alors, on dit quoi? Ne me dites pas que vous l'avez adopté. Si ça vous fait pas plaisir, on ne vous le dira pas. Tu dois faire quelque chose là ou je me laisse définitivement tomber là.
Oui, par contre, si ça vous fait plaisir, alors là, ça peut éventuellement changer notre réponse. Hein. Voilà, nous, on se date. Je crois que vous venez d'établir le nouveau record du monde à la rade. Mais c'est merveilleux d'assumer enfin votre homosexualité. Vous avez vu les choses en règle, au moins. Oh, ça oui. On a signé des papiers bleus, des papiers jaunes, des papiers de toutes les couleurs. Horrible, le rainbow flag des papiers. Ça me donnera pour qu'un ciel en anglais traduit pour ceux qui parlent pas cette langue. En bref, on a tellement signé des papiers qu'on a déposé l'écran dans la maison. Et alors, j'aimerais revenir sur un point. Est-ce que ça existe ce terme déforesté? Parce qu'en Amazonie, c'est. Vous faites record sur record là. Et comment il s'appelle? Ben, on n'a pas trouvé mieux que Bob. Ouais, franchement, on a cherché, hein, mais Bob a notre référence. Hein. Peut-être un peu par défaut. Mmh. Mais bon, on peut dire que ça s'appelle Bob, ouais. Pas feu. Hein. Pas... Non, 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 pas feu. On n'a pas trouvé mieux. Bon. Ça mérite d'être court, certes. Ouais. Ce sera plus facile à retenir pour lui. Mais c'est vraiment un mélange de fou. Ouais, c'est tellement mélangé, ça fait un peu beaucoup, oui. Alors, vous vous êtes marié? Alors, non, parce qu'en fait, Gabriel, il n'a pas encore trouvé sa robe. Voilà. Il est en train de grossir. Alors, comment vous avez fait pour adopter? On a falsifié. Oh, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a falsifié? Mon horloge biologique, n'arrêtez pas de sourire. Alors, vous n'êtes pas en règle? Ah oui, ça, on sait que ça vous tracasse, hein, quand les gens sont pas forcément dans les clous. C'est pour ça qu'on vous invite à la fin du mois à notre mariage, et vous serez notre témoin avec Michel. Tu trouves que tu vas pas un peu trop mal, là? Je sais pas, là, j'ai pas peur de le mariage. Je savais pas que la quatrième dimension était aussi drôle. Ça me touche beaucoup, mes amis. Vous allez me trouver un peu ridicule, mais les lois existent, il faut les respecter. Je vous laisse à votre bonheur. Merci pour l'honneur que vous me faites. Je prendrai ma robe à pois vert. Oh bah oui, en plus ça sera très rassurant, hein, d'être avec Cerise de Groupama. Merci la petite pédoule. Au revoir petit Bob. Papa et papa, ne t'inquiète pas, vont bientôt se marier. Allez. Putain, mais t'es malade! Est-ce que l'un de vous pourrait m'expliquer? Tiens, mais on va se marier le mois prochain, c'est ça qui nous est sorti tout seul! C'est un grand problème! C'est bon, dites. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'un bébé aux sourcils prononcés à la mâchoire proliférante fait sur ce canapé qui était. C'est lui qui l'a vu tard. La vieille l'a dénoncé, alors elle nous l'a confié. Ouais, et puis toi, Freddy Mercury, niveau immondiste, t'es bien mal passé. Avec tout ce que tu nous sors, c'est bon. Merci. Oh. On va se retrouver dans 3 hommes et un couffin. Bon, qu'est-ce qu'on fait, putain? La vieille va nous dénoncer, elle fait vichy, putain. Mais non. Dans 2 heures, elle aura tout oublié. Tu la connais pas, toi? On te dit qu'elle a dénoncé à Bulgare. Son intéressant, il faut bien qu'elle trouve une occupation. Mais justement, ça c'était avant. Michi, tu es pas si bon que ça. Mais vous paniquez pour rien. Mais qu'est-ce que vous allez faire du bébé? Les gars, hey, la police va remarquer la magie du dessus. Sans déconner. C'est quoi ce gamin? Un héritage. Et vous avez pas rangé les courses? Non, on a pensé que c'était à toi de faire. C'est ton métier après tout. Bon, okay, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On se marie? Quoi? Je crois que vous n'avez plus le choix. Vous allez vous marier? Mais oui, pour que le petit puisse rester français, voilà. Oh putain. Non! Oh, mais merde! Comment ça se nettoie ce truc? Alors, bébé n'est pas livré avec son mode d'emploi. Tu m'étonnes, c'est bien dommage.
Et parmi les soins indispensables à connaître, il y a le change. Le change. Putain, un bébé en dollars, c'est tout pour rien ça. Alors, comment nettoyer les fesses de bébé en deux temps, trois mouvements, sans erreur ni geste inutile. Suivez le guide dans l'image. Cool. Et ouais, mais comment on nettoie avec de l'eau? Bon, oh, c'est vraiment nul internet. Oh putain, c'est un élément. Donc, vous savez ce que la vieille vient de m'apprendre? C'est que les tarlouses qui allaient vous marier avec un enfant. Ouais, écoutez, placez vos virgules correctement. Hein. Vous êtes que les tarlouses qui allaient se marier, virgule, avec un enfant. Hein. Parce que ni moi, ni Gabriel, ni Nanon, et cousin gamin. Ne jouez pas sur les mots. Non, non, mais je joue pas avec les mots, hein. C'est vous qui les utilisez mal. Hein. Alors, vous êtes bien foutu de ma gueule, hein? Ouais, vous êtes bien foutu de ma gueule, vous, hein? Si c'était qu'hier soir. Ouais, mais vous êtes immonde. Hein. Tenez, je vous rends votre beurre. Il vous sera sans doute plus utile qu'à moi. Vous êtes la classe faite l'homme, moi. Oui, écoutez, vous êtes. Bon, écoutez, c'est bon, hein, on s'est plus dit, je pense, non? Vous m'avez rendu beurre. Oui, je. Allez, vous êtes Starlouz, hein, je ne vous salue pas. Hein. Laissez la porte, hein. Je passerai derrière vous, mon chou. Non. Bon, allez, on va maintenant se débarrasser d'un emmerdeur. T'as écrasé ma partie. Putain, et je te rappelle qu'on a un gamin, j'ai plus le temps de jouer, moi. Je sais, j'arrive de la mairie. Putain, t'as publié les banques? Oui, je peux te dire, pas facile de faire un peu d'allons quand même. Je raconte pas la tête de la nana quand j'ai dû appeler Emmanuel, prénom qui apparemment avait l'air d'être amputé de M pour rentrer dans la normalité. Elle me dit avec sa voix hystérique, alors votre conjoint était un homme? Je lui réponds, oui, sinon ça serait une conjointe. Comme tout le monde avait entendu, j'ai reçu des regards comme des coups de poignard. Tu sais quand les gens te regardent comme dessous, par-dessous, c'est comme ça? On dirait qu'il est une normale adresse. Ensuite elle me dit toujours avec sa voix hystérique, qui vous donne l'impression que ça marche sur la patte d'un chien. Monsieur le maire ne marie pas les hommes, ça sera son adjoint. Et alors je lui ai répondu, vous savez, moi j'ai dit moi n'importe qui. Ça a fait évidemment être toi, ça. Même pas sûr. Même pas. L'ambiance était tellement froide, j'avais envie de pleurer. Je pensais pas que les mentalités avaient si peu évolué quand même. Putain, m'en parle pas. Hein. J'ai l'impression qu'on fait l'émission Vu ma vie homosexuelle en permanence. Robert, il vient de sortir d'ici. Je sais, j'ai croisé. Il m'a demandé quel goût avait l'oreiller. Ça c'est marrant parce que pour tout le monde, c'est toi qui fais la femme. Hein. Il y a deux hommes, il n'y a pas de femme. Oh putain, c'est profond ça. Hein. C'est pas la vie des gens, c'est la vie de Robert qui ignore encore que les femmes ont le droit de vote et que l'RTF n'existe plus. Bon, écoute, concrètement, tu veux toujours te marier? J'ai toujours voulu me marier, mais pas avec toi. Mais on a promis à la mère. Là. Non, on n'a rien promis du tout. On n'a même pas compris la moitié de ce qu'elle nous disait, la bouillarde. Est-ce que tu veux qu'on passe pour se marier ou que mamie Vichy elle nous balance? Ah bah ça, c'est ce qu'on appelle avoir l'embarras du choix. Tu préfères quoi? Te faire amputer des jambes ou avoir des bras en mousse de 10 mètres de long? D'ailleurs, oui, bon. Je sais pas ce que j'ai, mais ça passe. Non. Oh putain, c'est quoi cette odeur? Ouais, bah en fait, ouais, faut que je vous dise, cette gamin, en fait, je crois qu'il a dû s'en mexicain, hein, parce que dans sa couche, son colon, il a découvert l'Amérique latine. Hein. Mais c'est violent quand même. À côté des toilettes, c'est un chandail. Hein. On a pas de couche? Non, j'ai demandé à Marco qui le ramène, donc on va bien après. Vous n'avez pas changé depuis hier? Ah, il comprend rien, lui. Hein. On n'a pas de couche. Non, on n'a pas changé. Vous auriez pu au moins lui enlever cette pile-là sur lui. Tu m'as toujours pas dit où il était. Alors, en fait, il prend son bain, mais je suis très emmerdé parce que Internet ne me dit pas comment nettoyer. Attends, prends son bain tout seul? Il est fou! Alors, les gars, pas de panique, je vais laisser dans son couffin, comme ça il flotte. Tu vas pas oublier, il aura quoi, un grand malade? Il mettra au congé pour qu'il ait moins chaud. Tiens. Ouais, hop, putain, vous n'avez même pas changé. Non, j'attendais que l'eau nettoie un peu le. Par imprégnation. Oh, enfin, je pense que t'es le père de mon enfant. Donne-le-moi. Allez, bois. On va changer la coupe. Ouais, on va être un peu mieux là. Ouais. Allez. Il a perdu. C'est
C'est une fille. Quoi? Bob est une fille. Vous auriez pu me renseigner. Non, il n'a pas compris. Dire. Oh putain, mais par contre, moi je suis embêté parce que je sais pas comment s'occupe d'une fille. Hein. Ah, pourquoi un mec t'aurait su? Ah putain, me pisse dessus là. Ah, la tronche, ça va jouer. Elle marque son territoire. Ah, par contre, on ne peut plus l'appeler Bob. Ben, la mère, elle s'appelle Boris Lava, on n'a qu'à l'appeler Bob Lava. Ouais. Hey, dis-moi, t'en as plus pour fille? C'est fille? Depuis quand? Depuis qu'il a enlevé la cruche. Oh non, le mec, en français! Bah, en même temps, t'as vu la gueule qu'elle a? Tu trouves qu'elle ressemble à une fille, toi? Gros sourcil, là. C'est un peu courte, là. Mais ouais, comme ça. En même temps, un bébé, ça met rarement à faire une arête. Tiens, qu'elle se fout de ma gueule, là, non? Ça fait bizarre de se faire juger par un enfant. Tu la chantes? Pourquoi toujours moi? Oh. Alors, et nous, il faut qu'on prenne le petit déj, là. Et tu nettoies bien le... Enfin, la... Oh. La quoi, le... La zézette, quoi. Zézette. C'est incroyable de remarquer comment tu es impressionné par une fille qui a 20 ans de moins. Elle n'arrête pas de bouger les jambes. Personne ne peut m'aider. Ben, tu vois pas qu'on est en train de déjeuner. Mais ouais, mon gars, on a des responsabilités maintenant, on a une vie d'adulte, hein. Ouais. Mais du passé, j'en ai les pizzas en plus. Ah oui, je te le dis, on a plus une minute à nous. Là, ça fait vachement adulte, hein. Tu veux pas? Très bien. Et toi, on va te tenir un peu mieux à table maintenant que tu vas représenter ma caste. Oh, tu me dis. Parce que, pour ton renseignement, le morceau de bois qui est sous ton bol ne s'appelle pas une auge, mais une table. Ah, elle n'arrête pas de bouger les jambes. Tu trouves que je vais m'aider? On est jeune, on est jeune. Non, calme-toi. Tu manges comme 10 cochons. Ferme la bouche quand tu manges. J'ai pas besoin de savoir comment fonctionne ta mâchoire. Ouais, bon, attends, j'arrive. Et t'en as plein autour de la bouche. On se croyait en zone sinistrée. Mais tiens-toi droit, tes épaules n'ont rien à faire sur la table. Personne ne peut m'aider. Elle bouge. Et vous tellement que ce que j'ai épanoui sur le ventre, se retrouve sur le propos, là. Et toi, où tu es? Qu'est-ce qu'il fait là-bas encore? Je sais pas. Il n'y avait pas de... Et toi, tu devrais apprendre à te déplacer avec plus d'élégance au lieu de le faire comme un gorille en balade. Non, mais n'importe quoi. Et puis, t'as déjà vu un gorille en balade? Oui, maintenant, oui. Oui, après, ton tour viendra. Et je te préviens, super nanny version mou, moi, ça me branche moyen. Hein. Donc, reste avec l'autre, voilà, c'est bon. Et toi, super cochon, tu es où? Je te suis avec ta cape. Bon, ça mange comment, un mou? Comme un hétéro, mais plus proprement. Regarde comme la nourriture Regarde comment souffre la biscotte. Encore un effort et elle va se briser. Prends-la comme ça. Avec élégance. Lève le petit doigt et laisse parler l'élégance. Et bien voilà. Tu veux de l'air ou la cage au froid à l'envers? Tu veux bien essayer? Tu me donnes des cours d'homosexualité, c'est ça? Souvenir, ça serait déjà pas mal. Allez, essaie. Oh, ma biscotte. Oh, la vache. Mon Dieu, je mange trop mal. Grognasse que je suis. J'ai mis une robe et Emmanuel, il m'a même pas regardé. Je suis de l'occupée pour toi, Emmanuel. Tu n'as pas que je suis en train de changer depuis ta fille. Oh, mais voilà, il me regarde plus. Je suis plus que l'arbre de souvenirs. Pourquoi passer nos 20 ans et le plaisir qui ont découlé? Autrefois, mon corps d'amigo reste mon lui plaisantant. Quand tu me regardes, c'est comme si moi le signorais d'après le cœur. Je peux plus supporter son regard suffisant sur ma petite personne, ça les changer. Derrière ce genre de statue grecque, c'est pas une grecque tout court qui court derrière le plaisir de la chair pour les premières sur la place d'Athènes. Bon, je raconte n'importe quoi, mais c'est mieux garder le temps.
Bon, dernière petite bouchée de ce succulent petit déjeuner. Oh là là, j'ai cassé ma biscotte, j'y arriverai jamais. Et qu'est-ce que vous foutez à chercher la gamine les yeux fermés? C'est une fille quand même, donc c'est un peu gênant. Ah, il faut que je fasse tout ici, hein. Ah, j'étais pas si loin que ça quand même. Mais vous avez mis la couche à l'envers. Attends, les yeux fermés, c'est évident, hein. Ouais. Ah, mais elle est dit trop grande pour elle. Putain, Narco, tu as acheté des couches pour le quatrième âge. Je me disais que c'était bizarre que ça reste sous les bras. Mais vous êtes pas aidés les mecs. Tant pis, ça lui servira de body. Pousse-toi, Cro-Magnon. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Bon écoute, je te la fais moi. Et dis donc, t'en as du Cro-Magnon. T'en vois, Igor? Tu fais une démarche à tiers là? Tu la vois pas la reine Elisabeth? En fin de reine, quand même.
Je te promets que il va ça, tu passeras cette année, moi, vous savez. Non, non, s'il vous plaît. Pour les 1, 2, tenez, alors, le gros, le petit Robert. Tenez, j'ai quelque chose pour vous. Pédéraste. Homme qui éprouve une attirance amoureuse et sexuelle pour les jeunes enfants, garçons ou adolescents. Voilà, l'enfant de Maître Capello et de Bernard Bureau. Dis donc, vieux brincheux, faudrait pas faire la madame homosexuelle et pédéraste. Amalgame. Tu m'as oublié. Tu n'as pas peur du cumul de mandat, toi. Dis donc, j'en perds le son, là, il y a un petit bug, hein. Donc, dis donc, la vieille qui s'est fait tout permet de me tutoyer. Hein? Depuis que ta connerie est toi, vous ne faites qu'un, j'ai un peu sourd aussi. Mais j'ai fait la guerre, moi, madame, un peu de respect. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça fait longtemps qu'elle est finie. J'ai serré la main du général de Gaulle. Et moi, j'ai fait la bise à Régine. Et j'en fais pas tout comme ça. Régine. C'est une chanteuse, pourtant tu devrais la connaître, elle est de ton époque. Mais j'ai été déporté, moi. À quand? C'est calme. On va arrêter de ressasser, la chenarelle. C'est qu'elle te tape, la vieille peau. On va arrêter de ressasser. Mais elle me tape, la vieille peau. Tu crois qu'il n'y a que toi qui as connu les camps? Ah, c'est que ça sent le gaz entre deux. Au revoir, mes chéris. Je vous dis pas au revoir, vieux grincheux. Hé, avec Gérard de Gaulle. Tout ça pendant le temps que j'étais au camp de vacances. Les vieux, c'est un peu comme les enfants avec des rides et des souvenirs en plus. D'ailleurs, comment est mal un peu belle. Elle est belle, cette fleur. Je l'ai encore réveillée. Bon, allez, ma la belle. Viens manger une pizza et à vous refroidir. Voilà. Dis donc, t'as déjà petit déjeuner ce matin? Franchement, t'as déjà faim? J'ai rien mangé. J'ai cassé toutes mes biscuits. Et ça, t'étonnes pas de grossir? Je grossis pas. Je stresse et ça me fait gonfler. Ah bah ça, t'es gonflé. Et toi, tu t'es fait ta coupe. Tu comptes faire quelque chose ou je te rends sur le bon coin comme t'es mobile? T'es vraiment de plus en plus méchant avec moi, de toute façon. Mais c'est peut-être parce que je me sens seul. T'es toujours sur ta console, plus sorti d'ici. Mais c'est toi qui me dis de sortir, tu dis que c'est bon pour moi de prendre l'air. C'est parce que je veux que tu m'aides, tu me comprendras jamais. Je te dis ça, et toi tu sors. C'est sûr, tu ne comprendrais jamais. Et en plus, voilà, en plus que... Elle pleure la petite. Voilà, j'entends. C'est ta faute, t'es content? C'est ma faute en plus. T'es content? Couche. Ça y est. Vous êtes vraiment sur le chemin du vrai petit coup. Voilà une petite étincelle et on y est. Oh, putain, il manque encore quelque chose. Je vais faire réchauffer ma pizza. Ah, je me sens encore assis. Ouais, dans toutes les pièces de la maison, mon gars. Le grand chelem de l'appartement. Ouais, range ton solution, hein. Tout fini debout, je vais la voir. Bah, tu sais, ça pourrait être pire, hein. Pour être toute ta vie dans un fauteuil roulant, alors. Te plains pas, quoi. T'as fait le redondement, s'il vous plaît. Bouquez-vous. J'ai la dame, moi. C'est que ça creuse, la dernière sursaut. Ah bah, tu m'étonnes. Mérinos, le complice des réveillants sursauts. Bon, allez, avec ces conneries, je vais faire manger ma pâte. Oh, là, il va prendre une petite bouchée. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais manger la grille, ça se voit pas. Mais apporte-tu le lait à cet âge-là? C'est vachement compliqué les gamins quand même. Bon, qu'est-ce que j'abandonne?
C'est bon. On a sonné. Et y'a personne. Ça doit être une erreur. Encore une petite blague du gamin du bas. Ah là là, on va peut-être amuser quand même. Tu penses? Ah, on a sonné encore. Ah, je fais la sonne. Bon, écoute. Je vais voir. Ouais, bah bon, parce que ça sonne, y'a personne. Bon, on peut improviser un peu, mais quand même. Tu réglais son temps, toi, Pierre, là. Bien joué. Putain, ça sent vraiment, bien joué. Pour vous, tiens. Ah. Alors, mariage, un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions sont fixées soit par le code civil ou par les lois religieuses. Vous entendez, code civil, loi religieuse. Voilà, un homme et une femme. C'est pas moi qui le dis. Hein. Allez. Je vais toujours l'enfant de mettre Capello et de l'anarchie. Hein? C'est bon, je le lis. Ah! Mais c'est du lait de vache! Ah, bah tu m'excuseras, on est en rupture de stock du lait Gabriel. Ça faut une ampoule à cet âge-là! Oh là là! Tu râles pour une ampoule! C'est une vache sous coque! Des catastrophes! Des gros nuls! Bon, c'est vraiment que vous allez faire des choses avec ce réglé! Vous pas péder! Alors ça non, parce que Michel nous a dit qu'on était sur le bon chemin. Hein, alors, sur le chemin de la connerie, oui. Et quand bien même, on prendrait une seconde, vous êtes. Le bébé ne survivra pas sans adoption. Ben, on va empoisonner, ou noyer dans son bain, ou étouffer sous sa mère. Ou même pire encore, il va grandir avec vous deux comme parents. Mais des catastrophes, incapables de faire les courses et même de la manger. Maintenant, on va se calmer et on va essayer d'élever cet enfant normalement. Ok. Ok, oui, ok. J'ai trouvé. Mais qui est-ce qui s'occupe de Bob? Qui est-ce? Bob là-bas. Oui, c'est Bob là-bas. Et si tu veux être ta pousse, toi, tu trouves qu'il y a une grosse différence que ça entre Bob et Bob là-bas? Qu'est-ce que tu as, toi? Tu as perdu ton calme? Non, je n'ai pas perdu, non. Les piétinés pendant toutes ces années. J'en ai marre, de manière. Vous trouvez, toi, moi. Je suis votre bon commissaire. Tu vas pas me dire de me taire, mais je crois qu'on dit bouc qu'émissaire. Je dis ce que je veux, ok, vous m'entendez? Je dis ce que je veux! Oh, mais assez peu par terre, qu'on en finisse, là! Voilà. Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'il est un peu sous pression, là, voilà, il est un peu chaud. J'ai trouvé, un pincel. Trouver ce qui va vous permettre d'être complètement investi d'une conscience gay. Alors? La musique. Ah ouais, c'est pas mal. La musique, ouais, la musique comme quoi? Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un garçon. Mort comme un homme. Non, non, quelque chose de plus évident. Un truc comme... Vous serez toi, tu ne guériras jamais, toi. Voilà, non, ok. Un truc comme... It's raining, hallelujah, it's raining, hey, hey, hey. Mais non, tu chantes. J'ai compris. Il nous faut quelque chose de plus fédérateur. Ah, je vois. Je vois. Thank you.
va crever, ça te payer. Vraiment trop la console. Ah non, je prends le zombie. Ouais, avant qu'on aille avec Gabriel, c'était pire que moi, hein. Oui, bah bon, j'ai des responsabilités maintenant, hein. Et la petite voix, qu'est-ce que c'est? Vous avez 3 heures qu'elle roupille, hein. Oh putain, j'ai dû mal doser les somnifères dans son bronze. Tu donnes ça, tu sais. Oh, mais sinon, on n'arrête pas à dormir avec Gabriel, c'est terrible. Mais tu donnes pas du chaleur à tous les cons. Oh bah non, les pharmacies ne fournirait plus. Bon, je pense que je vais aller promener, sinon, je pense que j'ai trappé. Eh, t'es un peu tendu, toi, en ce moment, hein. Bah, je me suis plus assis depuis votre mariage, hein. Ah, il faut 15 jours, quand même. Bah, il mais ça passe vraiment pas. Oh. Oh, putain, mais tu sais que t'es pas obligé de faire ça exclusivement dans le chiotte. Ouais, mais elles ont de bonnes ondes et c'est une des pièces les plus apaisantes de cet appartement. Ouais, bah, si tu veux, on va t'y installer à clic-clac. La nouvelle est arrivée. Non, pas encore. J'ai hâte. Oui, merci qui? Merci le petit Michel. Calme-toi, tu n'as plus regardé dans les pages jaunes, hein, dans le... Oh putain, ça sonne encore la charge là-dedans. Il faut que tu retournes. Et tu vas vraiment finir par payer la facture d'eau, hein, et un peu la taxe sur l'odeur aussi. Parce que... Putain, c'est le mode, hein. On a trouvé la ligne pour ce soir. C'est Michel qui a trouvé dans les pages jeunes. Et tu ne verras jamais comment elle s'appelle. Camille Connasse. Les connasses avec un K. Connasse avec un K. Je crois que c'est mieux que connasse avec un K. Elle en a sûrement, moi je pense. J'imagine que c'est son grand prénom que vous avez choisi. Ou juste, tu peux te dire que j'ai hâte de lui dire bonjour, cette madame Connasse. C'est vrai que ça t'a envie. Hein. Ouais, toi par contre, tu tiens trop sérieux. Hein. Là, d'être par exemple. En parlant de connasse. Non, je disais, Gabriel, va ouvrir à ma place. Comment ça va, vous la vie maritale se passe bien? Écoutez, à part la nous qui sert un peu, honnêtement, ça ne change pas de bien plus avant. Ouais, je t'avais dit aussi de ne pas les acheter dans un parc à trappe. Et la petite, ça va? Bah, elle est toujours assez tributaire de nous. Hein. Bah, on sent bien qu'elle n'a pas envie de s'entraîner son indépendance. Oh, hein. Un endroit, pas une dent. Pas un pas. Jamais une fois de la nourrir pour les toilettes. Ouais, bon, en même temps, c'est un peu compliqué pour elle, parce qu'elle n'est pas froid encore. Hein. Ouais, ça doit être ça aussi. C'est vrai. Non, non, on est contents dans l'ensemble. Hein. C'est vrai qu'on va pas se plaindre, mais c'est vrai qu'on peut dire qu'elle ne fait pas beaucoup d'efforts. Bah, ils sont feignants un peu, ces étrangers. Ah, là, on est obligé d'en faire le constat. Hein. La flémardise, ça les prend tôt. Là. Oui, je viens voir ma petite fille. Ah, ben justement, tiens, petite fille, famille, justement. Ensemble fondé par le père et la mère et les enfants. Quand vous avez essayé la même chose dans le bol, les gens dorment sans. Comment? Il dit que tu as un gros corps, tu vas le laisser tranquille. Hein. Et toi, occupe pas de tes fesses et vu leur taille, il y a de quoi faire. Putain, a priori, ça conserve d'être comment? C'est calme, le temps n'est pas prêt d'avoir un roi. Oh putain. Ah! C'est la petite pomme qui vous envisage un gras qui veut qu'on échange la couche. Putain, c'est bien, on dirait qu'elle est calée sur Michel. Alors, ma petite Bob, tu veux qu'on change la coucou, il se prête un peu plus confortable. Tu veux bien pourquoi tu lui parles à une débile comme ça? C'est quoi cette manie de doubler tous les mots comme ça? Ça voulait rappeler sa mère. Bah moi je pense que t'es un idiot d'ouvrir la trou du cul. Ah bah c'est moi dans le sang, les gros moi. Ah, j'ai moins une princesse là, hein. Oh putain, ça sent d'ici. Ah, dis donc, on va te faire découvrir la pièce préférée de tout ton Michel, hein, parce qu'avec tes couches, tu nous exploites le budget. Ouais. Papa et papa, ils ont même pas pu s'acheter un jeu depuis un mois. Un paquet par semaine, c'est pire qu'une addiction au tabac, ça. Voilà, c'est fini. On se débrouille bien quand même, hein. Ouais. C'est clair. Elle est bien avec moi. Ouais. Attends, qu'elle est bizarre. Ouais. Elle pourrait être comme ça. On dirait la joue con. Ouais, avec plus de sourcils quand même. Ouais. Ah, mais c'est vrai, enfin, excuse-moi, mais c'est quand même des bons parents. Oui. On dirait. Non, je pense aussi. Elle est heureuse. Épanouie. Ouais. Chantons, on l'entend bien. Voilà, c'est ça. Ouais. I see your red door and I want. Back in black. And he calls.
le sang, il va lui sortir par la bouche, là. Bien, hein. Mais les gars, les deux vieux sont en train de se foutre sur la gueule. Qui n'est pour après Robert? D'ailleurs, j'ai jamais vu deux personnes courir ses enfants. T'as peut-être vu la scène au ralenti? Qu'est-ce que vous faites? On lui fait écouter de la musique pour qu'elle s'endorme, la petite. Tout. Ils m'ont tout fait. Je pense que si vous donnez la permission, je pense qu'il faut frapper. Qui parle? Enfin, quelqu'un qui a pas intérêt de donner la permission, hein. Et le regard, là, comme deux idiots. Mais quand est-ce que vous allez endormir cette petite normalement? Là, je crois que ça va se faire. Oh, je vous parle, mon abruti! Ah ouais, t'as raison. Alors maintenant, on va prendre le bébé, on va la coucher dans sa chambre, et on va lui sortir une berceuse, hein? Ok! Ça marche pas, la berceuse, elle crie encore plus fort. Oui, parce qu'en fait, on a essayé de chanter Painting Back Distance, mais il y a quoi qui fait bien, lui, qui chante comme une morelle. Alors maintenant, on va s'essayer au grand classique, hein? Fais dodo, frère Jacques, hein? Parce que sinon, j'autorise mon poing à rentrer en deux! Bon, on y va. Bonjour, Sabine Renard, assistante sociale. Assistante sociale? Assistante sociale? Comme ça, moi, en ce moment. Ah, bonsoir. Vous êtes là? Elle est Tarlouse! Un connard s'est arrivé! C'est moi qui ai dit. Je commence à croire que j'ai un problème. Ouais, bon, lui, il va finir par me chier la mienne. Hein. Bonjour, madame Connard. Tu vois, t'as pas pu t'empêcher. Excuse-le, hein, c'est qu'une fiole. Non, avec tes manières, maintenant, direct à bassin à poil. Tu me tues, Gabi. Tu me tues à petit feu. Excuse-moi de pas être assez efficace. Bon, on laisse madame Connard se pouvoir rentrer ou je peux Excusez-nous, madame Connard. Je dois participer à notre vie privée, mais depuis que j'ai fini une MST à Emmanuel, j'ai des mauvais. C'est une blague, hein. C'est peut-être un peu utile de lui préciser. Mais oui, c'est de l'humour. La rigolade, c'est un peu comme notre fille. Oui, sauf qu'elle, elle vient pour la canette. Vous allez voir, c'est un amour. Puis quand c'est pas le cas, écoutez, on lui donne les omnifères. Hein. Vous allez voir, c'est pas facile. Elle note. Qu'est-ce qu'elle est studieuse, une véritable professionnelle. Okay. Franchement, elle est calme, hein. C'est bien d'être calme quand vous avez votre métier, hein. Bon, on va vous expliquer un peu la marche à suivre. Nous, on n'en voulait pas de cette gamine. Mais bon, maintenant qu'elle est là, on s'est habitué quand même. Ouais, bon, ça c'est peut-être. Elle n'était pas forcément obligée de le savoir non plus, ça. Ouais. Vous êtes pas très bavard. Moi j'ai connu des colosses plus longs casse. Bon, vous n'aurez pas besoin de la gamine. Non, c'est bon, on l'a fait la semaine dernière, de toute façon. Ouais, voilà. Vous lui donnez son biberon, vous la changez. Hein. Ouais, au bord, hein. Franchement, dès que c'est la petite commission, franchement, nous on reste la même. Hein. Ah oui, non, parce qu'en fait, ça nous est trop obligé avec ses couches, c'est terrible. Un petit peu de déodorant sur les fesses et ça repart. Ouais. Bon, puis après, vous la couchez, hein. Tranquille. Ouais, alors essayez-moi de la faire marcher, de lui faire dire papa, elle le fera pas. Ouais. Il y a de très très mauvaises volontés. Mais on a quand même bon espoir, hein, parce qu'elle évolue dans un environnement globalement très sain. On est content, quand même. Ça y est, PD! Ça c'est pas pris Robert, il vient nous faire la lecture de temps en temps. J'ai niqué la vieille. Voilà, on donne le nom de son prénom. Il fait ça par ordre alphabétique pour pas nous embrouiller. J'ai gagné une petite définition pour fêter ça. Anormal, sortant des règles générales, des normes, déséquilibré, aliéné. C'est pas moi qui le dis. Ouais, vous voyez là, en fait, anormal, on est à la lettre A. Facile. En tout cas, je ne crois pas qu'on se dit quand même d'arriver à Z. Bon, bah, écoutez. Sinon, pour la petite Bob, oui. Vous la changez, voilà. Oui, parce qu'elle s'appelle Bob. Oui, j'ai oublié de vous le dire. Elle s'appelle Bob. Ah oui, pardon. Parce que tout le monde répond à Bob. Voilà. N'est-ce pas Bob? Tout à fait. Oui, c'est différent. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut qu'on vous dise? Vous donnez que du lait en poudre par contre. Hein. Ah ouais, parce qu'on essaye de faire des variantes avec les pizzas et les hamburgers. Et... Ça ne plaît pas, madame. Mais vas-y que je te prends la tête. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ah ouais.
Franchement, dès qu'elle fait sa petite tête aux gros sourcils, là, vous la punissez de bureau. Hein. Voilà. Alors, ça marche à chaque fois, ça. À force de hurler, elle c'est plus tellement qu'elle finit par s'endormir à chaque fois. Voilà. Surtout, il ne faut pas céder à ses caprices. Il est où le volcan? Ah ben là, elle va être en train de chercher à la mettre au B, je pense. Je veux le voir, il m'a redonné mes 20 ans, ce grand fou. Oh, ça me dû coûter cher. Oh, je veux son corps, je veux son corps. Ah, oh, j'ai l'image. C'est encore pire que deux hommes ensemble. Ah, la vieille. Vous savez, je risque de venir souvent, parce que j'ai un gros dico. Apprends-moi tout, je suis pas venue à ta parole. Je vais avoir le dépit qui touche, alors. Je suis ta serviteuse, triste. Comment on dit déjà? Serviteuse. On s'en fout, embrasse-moi, un peu sauvage. Bon. T'as beau être ridée comme un vieil accordéon. Tu me fais aussi. Oh putain, ça donne pas envie de voir la suite, là. Allez, viens. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de se protéger. Je suis ménopausée. Vous voyez, c'est toujours assez festif ici. Ouais, on est toujours en bas, c'est pas bon jour, là, c'est vrai. Bon, écoutez, madame Colasse, je crois qu'on s'est tout dit, hein. Je pense qu'on a été le plus précis possible, hein. Bah, il ne reste plus qu'à nous tutoyer. Oui, voilà, dans votre métier, on a beaucoup tutoyé, hein. Et puisqu'on a nos confiances, qu'est-ce que vous avez là, entre les deux yeux? Non, pas le nez! Espèce de viru, je sais ce que c'est. Oh là, c'est une version sociale, c'est une version sociale! Quoi? C'est sa vieille bonne main, c'est pas la nounou, c'est pas la connasse! Oh là là! C'est viru! Oh mon dieu, c'est pas mal, la chérie! Vous étiez parfaite! Oh mon dieu, elle a pas couru, elle a pas marché, elle a couru! Alors, pour notre première caméra cachée, on s'en est bien sorti. Hein. Ah, mais c'est on a caché d'autres choses. Plein. Alors, comme ça, vous êtes assistante sociale à la figure de la tête. Vous êtes pas maintenant. Elle a fait longue la tête. Donc, alors, une assistante sociale, une nounou, ça peut cacher une assistante sociale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous êtes là? Beaucoup trop de choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a dû faire vachement été heureux depuis tout à l'heure. Bon, bah, il ne nous reste plus qu'à saluer Madame la Reine, l'assistante sociale. Oui, parce que quand on fait votre métier, on doit fréquenter beaucoup de cas sociaux, non? Qu'est-ce que j'ai raté? C'est un autre jour maintenant. Ah, bonjour, Mme Colasse. Moi, c'est Monsieur Tarlou. Oui, monsieur Michel. Oui, parce que une nounou peut cacher une assistante sociale. C'est Sabine Renard, assistante sociale. Excusez-nous, hein. C'est une débile mentale qu'on garde de temps en temps pour voir ce qu'il y a. Sans déconner, mon malheur. Excusez-nous, bande de débile mentale. Oh là là. Nous, on les garde et ils nous remercient que par leur ingratitude. Ils abusent de notre bienveillance homosexuelle. On ne satisfait que par la petite, de toute façon. Non, voilà, il y a que la petite fainéance qui est gentille. C'est le seul. Non, et voilà qu'elle me contredit, se prend pour une adolescente. J'en peux plus. J'ai deux orteils dans la crise de nerfs. Je suis prêt à exploser là. Oh, mon amour. Ah non, je vais pas voir ça. Ah, donc voilà. Non. Je vais l'aider. Ouais. Je pense que je dois retourner aussi aux toilettes. Oui, ben moi aussi je m'en vais et vous pouvez être sûr que vous aurez mes nouvelles. Bonne soirée. Oh là là. On retourne dans un moulin ici, c'est pas possible! Non, mais vous êtes pas en Arménie, vous? J'ai réussi à obtenir le papier. Ah ouais, mais en français, c'est toujours pas, hein, je crois. Je viens récupérer mon bébé. Bah, il faut qu'on vous le redonne. On s'est habitué, nous. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment comme chez elle, hein? T'as des papiers, non? Merci à vous, bien occupé d'elle.
s'est un peu levé toute seule. Vous savez, quand elle pleure pas, c'est vrai qu'elle n'est pas compliquée à vivre. Vous voulez vraiment la reprendre? Oui, laissez-la nous. Éclatez-vous. Ou vivez votre vie de célibataire. Oui, éclatez-vous, allez-y. Et peut-être que dans 9 mois, après l'éclate, eh ben, vous en aurez un autre. Et puis comme ça, nous, on garde celle-là. Moi, hein, pas comprendre, vous parlez trop vite. Et moi, on sera toujours reconnaissante. Et dis-moi, sinon, comment elle s'appelle? Emmanuel, moi vouloir prénom intégrant. Vous pas aimé? C'est bien. C'est pas bien, c'est pas mal. Merci. Bon bah voilà, hein. Ouais. Ça fait plus de bruit qu'on pense, hein, le silence après la tempête. Maintenant, hein, on est... on n'a plus qu'à divorcer. On va pouvoir reprendre une bonne vieille petite vie d'hétéro. Ah ouais, la liberté, hein. Ah ouais, tu vas pouvoir reprendre ta garde-robe d'hétéro. Ouais. La virilité d'un bon jean. Ouais. C'est un jean, ça. Ouais. Ça me manque quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ces petites soirées quand même, le PlayStation avec les bières. Ouais, on va pouvoir remettre le bordel. Ouais. Enlever les rideaux roses. Ouais. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Putain, c'est nul, non? Ouais, j'y vais. Non.